Okay. Rituel porté par les prêtres pendant la messe. C'était une sorte d'hôtel. Les pèlerins venaient prier ici. Sans cet endroit divin creusé par le vent dans la roche, nous nous serions perdus à jamais. Nous connaissons tous l'histoire de l'éclaireur qui l'a découvert. Mais rares sont ceux qui savent que nous avons frôlé la mort. Nous étions perdus dans les montagnes. Sans nourriture et sans espoir, nous commencions à douter du prophète lui-même. Mais l'éclaireur a entendu le son et l'a interprété comme un signe. Seul, il a escaladé ses parois, guidé par la musique. Et là, il a vu notre salut. Cet hôtel ne célèbre pas seulement le courage de cet homme, mais aussi notre foi inébranlable. Au moins, ce contrepoids fonctionne toujours. Ah.
Il paraît que la première fois qu'on l'entend, ce son reste gravé en vous à jamais. Mes parents m'ont amené ici pour que je contemple le mystère derrière l'autel. Plus tard, j'y amènerai mes enfants. On dit que, sans la musique des montagnes, nos ancêtres auraient erré sans fin jusqu'à la mort. Mais les montagnes les ont appelés, tout comme elles m'appellent aujourd'hui. Je devrais pouvoir relier ce contrepoids au treuil. Peut-être en balançant. Ah non, ça fonctionnera pas à ce niveau. Cette porte. Thank you.
C'est quoi cette lame ? Je dois revoir mon timing. Contient une série de méditations sur la volonté. Ça devait être un encensoir, pour brûler de l'encens, mais il a été transformé. Ah!